الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقرب قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite et re-souhaite la bienvenue dans le cadre de ce live, de cette séance questions-réponses. Comme d'habitude, je vais commencer par le rappel pour ensuite enchaîner sur la question du jour et puis nous entrerons dans le vif du sujet, à savoir nos fameuses questions auxquels nous apporterons, Inch'Allah, des éclairages, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. Le rappel du jour, je l'ai intitulé « La prière voie du salut ». Dans des lives précédents, j'ai eu l'occasion d'aborder la question de la prière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais évoqué ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant cet homme qui était entré dans la mosquée et qui avait quelque peu bâclé sa prière au point que le messager lui dit « Irji' fa salli fa innaka lam tusalli »« Retourne prier parce que tu n'as pas prié. »
Cet homme, en fait, avait prié, on ne sait pas ce qu'il a prié exactement, est-ce que c'était une prière obligatoire ou une nafila, quoi qu'il en soit, il a accompli une prière, puis il est venu saluer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui remet les salutations, puis il lui dit, irji fa salli fa innaka lam tusalli, retourne prier car tu n'as pas prié. J'avais expliqué la fois passée que cette remarque prophétique ou cet avertissement prophétique s'applique encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens parmi nous qui mériteraient cette réponse prophétique. Irji fa salli fa innaka lam tusalli, retourne prier parce que tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce que la prière est bâclée, parce que la personne fait des mouvements, elle gesticule dans sa prière, elle ne sait pas ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, et il n'y a aucun apaisement dans cette prière. Juste le souci de prier très vite. Et ça affecte gravement la prière. Comme si on était pressé de quitter cette noble assemblée qui nous réunit à notre Seigneur, exalté soit-il. J'ai envie aujourd'hui de parler d'un autre aspect de la prière, mais de ce phénomène gravissime qui fait des ravages dans la communauté, qui fait également de très grands ravages dans les familles, c'est l'abandon de la prière. Il y a malheureusement autour de nous, dans nos familles, dans nos connaissances, beaucoup de frères et sœurs qui ne prient pas. Pourtant, la prière n'est pas un acte dévotionnel, culturel, qui prend beaucoup de temps. Mais malheureusement, nous avons tendance à nous laisser emporter par l'insouciance au point d'en oublier l'essentiel. Et j'ai envie de dire à nos frères et sœurs, et je voudrais que chacun d'entre nous répercute ce rappel autour de soi sans créer de conflit ou de tension. Il faut bien sûr transmettre ce rappel de la meilleure façon. L'abandon de la prière, mes chers frères et sœurs, est un acte gravissime, très très grave, qu'on ne peut en aucun cas sous-estimer. On ne doit pas prendre l'abandon de la prière à la légère. C'est très très grave. Parce que le lien par excellence qui nous lie à Dieu, nous musulmans, c'est la prière. Le signe d'appartenance à la Oumma, à l'islam, se révèle à travers la prière. Et c'est pour cette raison que certains juristes musulmans anciens et contemporains ont animé un grand débat consistant à savoir si la personne qui ne prie plus est-elle encore musulmane. Je ne vais pas entrer dans ce débat, mais je me contenterai de dire que l'abandon de celle-ci est très très grave. Très très grave. Ces frères et sœurs méritent de notre part, ils restent nos frères et sœurs bien sûr, ils méritent de notre part qu'on leur rappelle. Il rappelle car le rappel profite aux croyants, comme disait le Seigneur. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ils ont besoin, ils et elles ont besoin qu'on leur rappelle que la première chose sur laquelle sera jugé chaque serviteur dans l'autre vie, ce sera la prière. Et imaginez une personne qui se présente chez son Seigneur alors qu'elle n'a jamais prié de sa vie. Par quoi son jugement va-t-il commencer? Que va-t-il se passer? Ne pas prier, c'est se montrer ingrat envers Dieu. Au vu de tous les bienfaits qu'il nous accorde, quand bien même nous pouvons être éprouvés, il y a des personnes qui abandonnent la prière lorsqu'ils ont une épreuve. Encore une autre erreur à signaler et à épingler. Au contraire, c'est dans l'épreuve que nous devons renforcer notre lien avec Dieu et trouver force dans la prière pour affronter les défis et les difficultés de la vie, et pas abandonner la prière. La prière n'est pas responsable de l'épreuve que nous subissons. Parce qu'abandonner la prière, c'est comme abandonner la prière au moment d'une épreuve, c'est comme si nous disions à notre Créateur, tant que tu ne lèves pas cette épreuve qui me touche, je ne reprendrai pas la prière. Mais en fait, la prière que nous accomplissons, mes chers frères et sœurs, Dieu l'aime, certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime cet acte de piété, mais en fait, nous en sommes les seuls bénéficiaires. Celui qui abandonne la prière suite à une épreuve, il ne fait de tort qu'à lui-même, pas à son Créateur. Il n'y a pas lieu à entrer en négociation ou chantage, ou faire un chantage autour de la prière avec celui qui nous a créés, qui est notre maître. Dans le dernier verset de la sourate Al-Furqan, le discernement, le Seigneur dit « قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ » Dis au Mohammed, votre Seigneur,
Ne prête guère attention à ce que vous faites. Laoula du'a'ukum, s'il n'y avait pas vos prières et vos invocations. Ce verset tend à indiquer, à signifier que nous sommes nous les seuls bénéficiaires de ce que nous faisons. La première chose, disait le prophète sallam, sur laquelle sera jugé le serviteur, c'est la prière. Si sa prière est accomplie, a atteint une forme de plénitude, tant mieux. Sinon, il sera demandé de voir ses prières surérogatoires, les nawafil, afin qu'elles puissent compléter ses prières obligatoires imparfaites. Et il en sera ainsi pour le reste de ses œuvres. Si la personne se présente auprès de son Créateur sans prière obligatoire, sans prière recommandée, que va-t-elle dire à son Créateur? Quelle excuse avons-nous? Allons-nous avancer à notre Créateur? Qu'allons-nous lui dire? Alors que le Coran regorge de versets « Wa aqimus salah » « Wa atu zaka » « Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zaka » Le Coran regorge de ces versets-là. C'est très dramatique. Et le plus dramatique dans l'histoire, c'est que ces mêmes parents répercutent l'abandon de la prière dans leurs enfants. Leurs enfants grandissent et eux aussi ne prient pas, comme leurs parents. Sauf celles et ceux que Dieu a guidés. Il y a, alhamdoulilah, des jeunes qui, alhamdoulilah, ont repris le chemin de la prière depuis longtemps et prient quotidiennement, quand bien même leurs parents ne prient pas. Et ça, c'est dramatique. Et je terminerai, inchallah, ce rappel sur cette parole dite par le prophète sallam qui souligne le caractère critique de l'abandon de la prière. Le messager dit, parlant de la prière, il dit « Man hafadha alayha kanat lahu nouran wa burhanan wa najatan yom al-qiyama » Celui qui veille scrupuleusement à la prière dans son accomplissement, dans le fait de l'effectuer dans son délai imparti, dans ses délais impartis dans la mesure du possible, et aussi dans l'humilité et la concentration maximale qui doit s'y retrouver. كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. Ces prières seront pour lui une lumière, une preuve et un salut dans notre vie. ومن لم يحافظ عليها, celui qui ne préserve pas et qui ne veille pas scrupuleusement à la prière, que se passera-t-il? لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان مع, là c'est terrible. وكان مع قارون وفرعون وهامان Ubay ibn Khalaf. Et celui qui ne veille pas scrupuleusement sur la prière et qui ne l'accomplit pas de manière scrupuleuse, sérieuse, soit il abandonne, soit il la bâcle, soit il a pris tout le temps en dernière minute alors qu'il n'a pas d'excuse, d'accord, et qui ne s'organise pas pour essayer de l'accomplir dans les temps impartis, dans la mesure du possible. Je reviendrai à plusieurs questions touchant à ça dans les questions qui vont venir, Inch'Allah. En fait, elle fait preuve de négligence avérée par rapport à la prière. Pas qu'elle est confrontée à des contraintes. Elle se laisse aller par rapport à la prière. Ces personnes-là, que ce soit un abandon complet ou un abandon partiel, par le non-respect de ses délais, par le non-respect de l'humilité qui doit l'habiter, et qu'il ne s'agit qu'une gesticulation, qu'une gymnastique faite au quotidien, ces personnes-là se retrouveront avec quatre personnes ô combien funeste dans notre vie. Elles se retrouveront avec Qarun, Corée, c'est son nom, avec Pharaon que vous connaissez, avec Haman et Ubay ibn Khalaf. Certains doivent se demander, mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il cité ces quatre personnages funestes aux côtés desquels se retrouveront celles et ceux qui négligent ou qui abandonnent la prière? L'imam Ibn al-Qayyim nous donne un semblant d'explication. Il nous dit que ces quatre personnages se sont tous détournés de l'adoration de leur Seigneur parce que le premier, Qarun, était préoccupé par sa richesse. Le deuxième, Pharaon, était lui retenu par sa royauté et cette royauté et cette puissance que lui donne le pouvoir l'a rendu orgueilleux et vaniteux. Le troisième, Haman, lui,
Il est occupé par, par son ministère, parce qu'il était un peu le ministre de Pharaon. Et Ubay ibn Khalaf, le dernier, Ubay ibn Khalaf, c'est un notable Mekwa qui ne s'est jamais converti à l'islam, qui était un adversaire farouche du prophète sallam et un provocateur de premier plan. Et c'était un commerçant. Et là aussi, le prophète le cite, parce que ce qu'il a détourné aussi de Dieu, ce sont aussi ses affaires commerciales. Le prophète, lorsqu'il cite, comme nous dit Ibn Qayyim, ces quatre personnages, parce que ces quatre personnages, tous, à leur façon, se sont détournés de Dieu et de la prière, parce qu'ils étaient occupés et préoccupés par autre chose. Et il en est de même de celles et ceux dans cette vie d'ici-bas, qui sont occupés par leur job, leur travail, par leur carrière, par leur promotion salariale, par leur commerce, par leur pouvoir d'autorité, etc. Ces personnes-là, lorsque leurs affaires temporelles prennent le dessus sur la prière, elles risquent de se retrouver aux côtés de ces personnages funestes qui ont été jetés aux poubelles de l'histoire. Qui parmi nous ne voudrait pas se retrouver dans notre vie aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux côtés de ses compagnons, aux côtés des prophètes? Mais il y a un prix pour ça. Le prix pour pouvoir y arriver, c'est de se battre dans cette vie, c'est de lutter pour pouvoir veiller sur la prière et l'accomplir de manière scrupuleuse malgré toutes les difficultés, les défis qu'on rencontre, que ce soit au niveau du travail ou autre chose, et persévérer sur cette voie et soigner de manière continuelle la prière, de manière constante, jusqu'à le rencontrer. Voilà, mes chers frères et sœurs, le véritable défi qui nous attend, Inch'Allah Ta'ala, et j'espère que notre Seigneur pourra nous aider dans ce sens. Ceci pour ce qui est du rappel. Maintenant, je vais aborder la question du jour. La question du jour, c'est tout simplement une réponse à une question. À partir de quel moment les anges disent-ils, donc nous disent-ils à nous, donc nous croyants, et tu auras droit à la même chose. Walaka bil mithl. Le prophète donne la réponse à cette question. Il dit man da'a li akhihi ma min mu'minin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghayb illa wa kana lahu malakun muwakkalun yaqulu walaka bil mithl. Il n'y a pas un serviteur qui fait des invocations en faveur d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas présent sans que l'ange qui est à ses côtés lui réponde à lui, à celui qui fait les invocations, ils lui disent « et tu auras droit à la même chose ». Donc cela signifie que cette réponse donnée par ces anges ne concerne que les invocations faites pour des personnes absentes, comme l'indique bien entendu cette tradition prophétique. Alors c'est un fait, c'est un immense honneur et privilège de pouvoir invoquer pour autrui en leur absence et en même temps, ou en son absence, et en même temps jouir, Inch'Allah, du mérite ou d'un mérite équivalent suite à cette invocation que nous avons faite pour des frères et des sœurs qui ne sont pas là à nos côtés. Voilà donc pour ce qui est de la question du jour, et nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. La première question, qu'en est-il des parents du prophète sallam qui n'ont pas vécu assez longtemps pour assister à la révélation, et qu'en est-il des peuples précédents qui ont cru alors que l'islam ne débutera qu'avec le prophète sallam. Sont-ils au paradis ou en enfer? Cette question de peuple ou des parents du prophète sallam avant l'avènement de la révélation, c'est une question qui a fait couler énormément d'encre et qui a suscité même des débats très passionnés entre les savants et même entre les gens, malheureusement, pendant des siècles. Vous savez, le plus important pour nous, c'est de s'intéresser à notre propre sort et pas celui des autres. Parce que celui qui se préoccupe de son propre devenir dans cette vie et dans l'autre,
il n'aura plus le temps de s'interroger à ce qui se serait produit ou survenu quant au peuple et communautés qui nous ont précédés et devancés. Donc même au niveau des questions, on doit faire attention pour nous intéresser. Bon, ce n'est pas un reproche que je fais aux frères ou à la sœur qui a posé la question, mais intéressons-nous aux questions qui nous apporteront une valeur ajoutée dans notre vie de tous les jours. Et c'est cette éducation que le prophète a donnée sur Salem à ses compagnons, de poser les questions utiles. D'ailleurs, au point qu'un jour, ils ont interrogé le prophète Salem par rapport au croissant lunaire. Et je mets le croissant lunaire, je le mets au pluriel, Al-Ahilla. Pourquoi ? Parce qu'il a, comme vous le savez, la lune passe par différentes phases. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçut une réponse via la révélation coranique. « Wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj » Il t'interroge au sujet des croissants lunaires. Dis-leur « Hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj » Ces phases lunaires permettent de donner des repères au niveau du temps aux gens et aussi de déterminer le moment du pèlerinage. Parce qu'en fait, certains compagnons se demandaient, mais pourquoi la lune tantôt elle est comme ci, tantôt elle est comme ça. Et Allah Azza wa Jal, à travers ce verset qu'il a révélé, il voulait éduquer les compagnons à ce qu'ils posent les bonnes questions. Ne vous demandez pas pourquoi la lune prend cette forme, pourquoi elle est plus rétrécie, pourquoi elle est plus large, elle est plus épaisse. Ce n'est pas la bonne question à poser. Demandez-vous plutôt à quoi sert ces phases lunaires. Et c'est cette éducation que le prophète n'a cessé de donner durant toute sa vie à ses compagnons. Alors pour venir à la question proprement dite, la meilleure explication, démonstration explicative qui a été donnée, c'est celle d'un savant contemporain mauritanien qui s'appelle le cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah, qui a exposé cette question, qui évoquait les différentes parties et leurs arguments. Il arrive à une conclusion en disant, et cette conclusion, Inch'Allah, paraît la plus plausible, qu'il s'agisse des parents du prophète sallam ou encore des communautés qui ont précédé, qui n'avaient pas de prophète et qui ont précédé l'avènement du message mohammedien. Notre cher Mohamed Al-Amin Shanqiti arrive à la conclusion que ces gens-là, au nombre duquel, bien sûr, nous retrouvons les parents du prophète, font partie de ce qu'on appelle Ahlul Fatra. Ce sont ces gens et ces communautés qui se situent dans des périodes où il n'y a pas de prophétie. Le mot Fatra signifie période, on va dire entre guillemets, période creuse, il n'y a personne. Ces personnes-là et ces communautés seront éprouvées dans l'autre vie. Et c'est par elles-mêmes, dans cet examen auquel Allah subhanahu wa ta'ala les soumettra, elles vont par elles-mêmes choisir leur destination finale, paradis ou enfer. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Quant à certains savants, honorables savants, comme l'imam Suyuti par exemple, qui ont essayé, mais en vain, ils ont essayé de renforcer certains hadiths, dont certains parmi eux sont même des hadiths faux, mensongers, sur lesquels Allah Azza wa Jalla aurait ressuscité les parents du prophète sallam et leur aurait fait prononcer la shahada et puis les aurait fait mourir après et de ce fait ils sont musulmans. Ce sont toutes des tentatives désespérées de certains pour essayer de confirmer la foi des parents du prophète sallam parce que dans l'imaginaire des musulmans, de beaucoup de musulmans, même de ces savants anciens et même encore aujourd'hui contemporains, il est inconcevable que les parents du prophète Mohammed sallam ne soient pas croyants. Mais j'ai l'impression, et je me demande, mais n'ont-ils pas lu le Coran ? Regardez le prophète Ibrahim, alayhi salam. Son père n'a pas cru. Regardez Nuh, alayhi salam. Nuh, alayhi salam, Noé, son fils n'a pas cru non plus. Regardez aussi le prophète Lot. Son épouse a renié la foi, ou plutôt n'a pas accepté la foi. Donc c'est comme s'il y avait une peur de se dire, on peut pas dire de parents de prophètes qui n'étaient pas musulmans. Au vu de l'image et de la symbolique que représente un prophète et surtout le prophète Mohammed sallam. Donc l'amour du prophète sallam que nous avons pour le prophète sallam ne doit pas nous pousser à tenir ce genre de discours qui ne sont pas tenables. Pourquoi ? Parce que
les hadiths qui prétendent que les parents du prophète sallam se seraient convertis ou auraient été ressuscités, qu'ils auraient prononcé la shahada, sont des hadiths qui ne sont pas fondés. Et l'imam Suyuti a fait des tentatives, des acrobaties pour essayer de le renforcer. Mais ils ne le sont pas en réalité. Tout ce qu'on retient, Inch'Allah, c'est que les parents du prophète sallam, au même titre que les communautés qui ont précédé Mohammed sallam, à une période de vie où il n'y avait pas de prophétie, ils seront tous soumis à un examen dans notre vie. C'est tout ce qu'on a à dire de cela. Et ce n'est pas parce que le prophète est prophète et qu'il appartient à une famille noble comme les Banu Hashim qu'on doit éprouver une gêne de dire que les parents du prophète n'étaient pas à ce moment-là musulmans. C'est normal qu'ils n'étaient pas musulmans parce qu'ils n'ont pas connu la prophétie. Il ne faut pas de sentimentalisme là-dedans. Et c'est assez étonnant de voir que ces gens qui tiennent ce discours, on a l'impression qu'ils n'ont pas lu le Coran. Oui, ils l'ont lu, mais parce que c'est le prophète, et quoi, et le prophète Ibrahim, c'est aussi un prophète. Et le prophète Ibrahim, il a un statut que le prophète Mohammed n'a pas, sallallahu alayhi wa sallam. Il est Khalil al-Rahman, il est l'ami intime de Dieu. Il faut se montrer juste dans ce genre de débat, et le plus important, Inch'Allah, c'est de se préoccuper de ce qui est le plus important dans notre vie, Inch'Allah. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Comment définir le dernier tiers de la nuit propice à la prière et à l'invocation? En fait, il faut, pour calculer le dernier tiers de la nuit, il faut calculer à partir du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Le nombre d'heures. Et le nombre d'heures, on le divise par 3, tout simplement. Et nous aurons à ce moment-là, nous connaîtrons exactement où se situe le dernier tiers de la nuit. Donc si on divise par 3, ben on sait exactement où ça se trouve. De nos jours, où doit-on chercher pour se marier? Sur les réseaux sociaux? Lesquels? Dans une mosquée? Laquelle? Dans la rue? Franchement, il n'y a pas mieux que la méthode ancienne, la méthode qui a toujours prévalu dans les temps passés et dans laquelle nous retrouvons beaucoup de bénédictions et de baraka. Ces mariages en ligne, ces mariages via les réseaux sociaux, ces mariages via je ne sais quoi, dans la plupart des cas, ne donnent aucun résultat. Je ne dis pas qu'un frère qui se présente au domicile d'une sœur ou une sœur qui reçoit un frère, je ne dis pas que d'office ce mariage va réussir. Mais il est certain que, enfin je n'ai pas d'études là-dessus, mais on peut imaginer, Allahu a'lam bien sûr, mais que ces mariages faits dans les règles de l'art où on se présente auprès de la famille de la jeune fille, on la demande en mariage, selon nos usages, selon ce qui a toujours fonctionné pendant des siècles, depuis l'époque du prophète sallam, certainement il y a plus de barakallah que ces mariages en ligne, via Skype, par le truchement des réseaux sociaux. Ce n'est pas la bonne voie qu'il faut emprunter pour pouvoir trouver son âme sœur et fonder un foyer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je souhaiterais souligner là-dessus, c'est de dire tout simplement que l'intention joue également un très grand rôle. L'intention et la démarche et la nature de la démarche entreprise. Quelqu'un qui a une intention sincère de rechercher son âme sœur, de compléter son dîn, parce que le prophète Hassan nous dit que le mariage complète le dîn, de fonder un foyer, cette intention, elle ne peut être que valorisée par notre Créateur, que couronnée de succès et que récompensée également. Quand bien même il y aura un échec, Inch'Allah, ce frère ou cette sœur va certainement rebondir sur ses pas un jour ou l'autre, Inch'Allah ta'ala, au niveau de l'intention. Et au niveau de la démarche, il est clair qu'il faut revenir aux habitudes traditionnelles. Après, rien n'interdit, bien entendu. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui organisent des rencontres avec Mahram, bien entendu, pour voir si les deux parties s'accordent sur quelque chose avant de passer à l'autre étape qui est de se présenter au domicile du père de la fille ou du tuteur de la fille. C'est aussi une démarche tout à fait plausible si ça se fait dans la règle de l'art. Mais voilà, prenons le bon canal et ne laissons pas la technologie et ses moyens d'information et ses réseaux sociaux nous dicter et surtout nous formater quant à la façon que nous devons nous y prendre pour pouvoir arriver à ce projet. Parce que tout comme on accorde beaucoup d'importance au projet de notre vie temporelle
les études, le travail, etc., nous devons aussi accorder la même attention, si ce n'est pas davantage, au mariage. Quelqu'un qui va construire une maison, il met tout en œuvre pour réussir ce projet, il regarde le bon ingénieur architecte, le bon entrepreneur, les bons matériaux, parce qu'il va vivre dans cette maison le plus longtemps possible. Le mariage, c'est la même chose. Le mariage, nous devons mettre toutes les cartes et tous les atouts en avant, selon les règles de l'art, pour faire réussir le projet. Et celui qui passe par des moyens, malheureusement, pas toujours très orthodoxes, je mets ça entre guillemets, comme les réseaux sociaux, Skype ou je ne sais quoi d'autre, très souvent, ça n'aboutit à nulle part. Wallahu ta'ala alam. Lors d'une muqabala, l'homme est-il autorisé à voir la femme sans son hijab? La muqabala, c'est l'entrevue entre le garçon et la fille pour éventuellement voir si les deux concordent afin de fonder ce projet et ce foyer commun. Il est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit ceci: إذا أراد أحدكم أن ينكح أو أن يتزوج فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. Si l'un d'entre vous a le projet de se marier, qu'il regarde d'elle ce qui le poussera à l'épouser, ce qui provoquera une attirance. Sachez, mes chers frères et sœurs, qu'à l'unanimité des savants, en premier lieu l'accord des quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, lors d'une muqabala, on ne peut voir de la jeune fille, si elle porte le hijab, on ne peut voir d'elle, tout simplement, que son visage et ses mains. D'accord? On ne peut pas voir ses cheveux. Je ne parle pas des sœurs qui ne portent pas encore le hijab. Bon là, c'est clair que le frère qui vient demander un mariage, il verra ses cheveux, logiquement. Moi, je parle d'une sœur qui le porte maintenant. Elle ne peut pas se dévoiler auprès d'un éventuel prétendant ou d'un éventuel futur mari pour lui montrer ses cheveux. Pourquoi? Parce que cet homme-là est un étranger pour elle. Ce n'est pas son mahram. On vient toujours à la règle du mahram. Et j'ai envie de donner une petite précision par rapport au terme étranger. Certains pensent que l'étranger, c'est celui qu'on ne connaît pas. Mais le voisin, l'ami, la connaissance, ce n'est pas un étranger. Non, dans le langage de la loi musulmane, de la charia, l'ajnabi, l'étranger, c'est toute personne qui n'est pas un mahram pour nous. C'est ça le terme de ajnabi, étranger. Parce que s'il est un mahram, sans aucun problème, la sœur peut se dévoiler devant lui sans aucun souci. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Donc celui qui vient demander une sœur au mariage, si la sœur est voilée, bien entendu, il ne pourra pas l'avoir sans son hijab. Serons-nous punis ou commettons un péché si nous n'apprenons pas l'arabe, pas par manque de temps, mais par manque de motivation? La langue arabe, il y a deux niveaux. Il y a un niveau minimal, le stricto sensu qui nous permet de pouvoir lire le Coran, d'apprendre quelques sourates pour accomplir notre prière, pour invoquer notre Seigneur, pour consacrer un moment à la lecture en dehors de la prière. Cette base, elle doit être acquise par tout le monde. Et puis, il y a la connaissance de la langue arabe qui permet à une personne de pouvoir lire un livre en arabe, de pouvoir converser en arabe. En fait, ce qui est demandé au niveau de l'apprentissage de la langue arabe, il y a ce qu'on appelle un fardu ayn. Il y a un devoir obligatoire individuel. C'est ce qui permet aux musulmans et aux musulmanes d'accomplir ces devoirs religieux sans aucun problème. Apprendre l'arabe, à savoir converser en arabe, lire des livres en arabe, ce n'est pas une obligation en soi. Donc il faut bien situer les deux niveaux. Mais il est clair que celui qui veut enrichir ses connaissances islamiques religieuses, quand bien même il y a beaucoup de livres traduits en français, la meilleure source demeurera toujours la source arabophone, la source originelle dans laquelle ces ouvrages ont été rédigés, que ce soit le Saint-Coran lui-même, révélé par Dieu dans la langue arabe, ou que ce soit aussi la tradition prophétique, les livres de hadith, ou encore n'importe quel autre livre de connaissances religieuses ou profanes
qui serait intéressant. Voici donc les deux niveaux dans lesquels se situe le parcours d'apprentissage. Ibn Taymiyyah n'est pas le seul. Il disait, il rappelait une règle par rapport à la langue arabe. Il disait que, je résume sa règle, il dit qu'un devoir, pour qu'il soit accompli, s'il a besoin d'autre chose pour être accompli, cette autre chose qui initialement n'était pas un devoir devient aussi un devoir. Donc la prière, par exemple, la récitation se fait en arabe dans la prière, les invocations en arabe aussi. C'est un devoir religieux, cultuel. Mais pouvoir l'accomplir, on a besoin de l'arabe. L'arabe qui est un moyen qui nous y conduit, cet arabe, dans son seuil minimal, devient obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Un croyant ne peut pas se contenter d'un livre en phonétique durant toute sa vie. À un moment donné, il doit passer à ce niveau-là, il doit concentrer ses efforts, à moins qu'il ait vraiment de graves problèmes de mémorisation, personne malade ou personne qui a un âge très avancé et qui n'a plus vraiment la mémoire, elle peut être excusée. Sinon, toute personne qui est en capacité d'apprendre cette base minimale de langue arabe doit le faire. Et au plus elle apprend de cette langue, au plus, bien entendu, même son niveau de religiosité, son niveau de connaissance iront en amélioration avec certitude. Voilà ce que je peux dire au niveau de cette question, Inch'Allah Ta'ala. Je vais peut-être m'arrêter ici, Inch'Allah, pour une petite pause avant de poursuivre la suite des questions. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
فلا تألم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه mes chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Nous allons poursuivre la suite de nos questions, inshallah ta'ala. Ma maman souffre de fortes douleurs au genou. Elle a déjà subi deux infiltrations. Le médecin propose une prothèse totale. Mais j'ai des proches qui m'ont conseillé d'aller voir une personne au Maroc qui fait sabab. C'est comme ça qu'elle dit la personne, fait sabab. Ils disent qu'il met son talon sur une plaque brûlante, puis met son talon à l'endroit où tu as mal, juste en disant « Allah yajib lak shifa »« Est-ce haram ?» ou est-ce toléré, en sachant qu'il ne dit que Allah yajib lak shifa, donc que Dieu t'apporte la guérison, c'est Allah qui soigne, et que c'est lui, il est juste un sabab. A-t-on le droit d'y aller? D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas expert dans la médecine alternative, ce n'est pas mon domaine, mais j'ai quand même envie de dire aux frères en question, qui pose la question, ou à la sœur, ce n'est pas un mal en soi d'essayer autre chose, autre que ce que propose la médecine conventionnelle moderne, à la seule condition de s'assurer que la personne vers laquelle on se tourne n'est pas un charlatan. Parce que les charlatans, dans ce qu'on appelle en arabe « at-tib shabi », la médecine entre guillemets populaire, les charlatans sont légion, ils sont très nombreux. Et c'est le point qu'il faudra vérifier. Et s'il s'avère que cette personne est intègre et qu'elle a peut-être une formation dans la médecine alternative au Maroc, je sais qu'il y a pas mal de frères et sœurs, j'en ai même connu un, je connais un frère qui vit au Maroc, qui a suivi une formation en médecine alternative, c'est bien. Mais si c'est un bricoleur, franchement, ce sera évité. Mais je ne connais pas cette méthode, je ne suis pas médecin,
Et tout ce que j'ai à dire, c'est d'être très vigilant, très prudent et bien se renseigner. Et pas se renseigner auprès de la famille qui vont encenser des loges cette personne. Non, c'est quelqu'un de bien, il y a des dizaines de gens qui sont passés chez lui, ils ont tout été guéris. Non, il faut aller voir des spécialistes et leur demander si cette méthode, vous pouvez même, le frère ou la sœur qui pose la question, peut même se tourner vers des frères ou des sœurs médecins qui sont dans le domaine alternatif, dans la médecine alternative, et leur demander si cette méthode, est-ce qu'elle vaut quelque chose ou non cette méthode? Est-elle sérieuse? Est-elle recommandée ou recommandable ou non? Et pas, ce n'est pas aux proches et aux amis, aux connaissances de nous éclairer là-dessus parce qu'ils n'ont pas les compétences pour ça. Et ce n'est pas parce que cette personne qui pratique cette thérapie entre guillemets et qui dit moi je ne suis qu'un sabab, je ne suis qu'un moyen, qu'on va dire c'est bon, il ne fait pas du shirk, donc il n'y a pas de problème. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et je rappelle, et je ne connais pas cette personne qui pratique cette thérapie, mais une chose certaine que je sais, c'est qu'il y a énormément de charlatans et énormément de personnes incompétentes qui font beaucoup de dégâts. Bien se renseigner auprès de personnes compétentes et pas auprès de la famille et des amis. Barakallahu fik. Qu'en est-il des sorties au restaurant, en entreprise où l'alcool est servi à table, sachant que cela a lieu pendant les heures de travail? Le principe initial de base enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui croit en Dieu en le jour dernier, qu'il ne s'assit pas à une table sur laquelle l'alcool est servi. Ça, c'est le principe général. Après, il y a des cas exceptionnels. Par exemple, dans le travail. Dans le travail, il peut arriver qu'il y ait une réunion de travail dans un restaurant. Et, ou même, des fois même, dans une salle de réunion, au travail même, ou dans l'entreprise même. Et il y a des boissons qui sont offertes. Des boissons alcoolisées, il y a des jus, il y a de l'eau, etc. Chacun se sert. Quand c'est dans le cadre de travail qu'on ne sait pas, on ne sait pas s'en défaire, il n'y a pas de problème. Parce que là, ça fait partie du boulot. Mais en revanche, si on vous propose, imaginons qu'un collègue vous dit, après les heures du bureau, ben écoute, viens, on va aller boire un verre quelque part, là, vous allez décliner gentiment. Parce que ce ne sont pas des lieux, au nom de notre éthique musulmane et de notre spiritualité musulmane, ce ne sont pas des lieux où les croyants doivent se retrouver. Mais le frère peut toujours proposer, ou la sœur peut toujours proposer autre chose. En disant, voilà, il y a peut-être un salon thé, ou s'y rendre pour prendre une boisson, ou pour prendre un thé ou un café, ce sera à ce moment-là tout à fait différent. En résumé, quand c'est dans le cadre du travail, et quand la personne ne sait pas se soustraire, parce que voilà, ça fait partie du boulot, il y a une réunion soit dans une salle au travail, ou encore dans un restaurant, il y a un programme, par exemple, qui est prévu. Là, c'est une situation exceptionnelle qui ne répond pas à la règle initiale de l'interdiction. Mais en dehors de ça, en dehors de ces contraintes professionnelles, il est clair que le croyant ne peut en aucun cas se retrouver dans ce genre de situation. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Wallahu a'lam. Je travaille à 7h du matin. Le fajr en hiver et plus tard, est-il permis de prier 10 ou 15 minutes avant l'heure? Non. On ne peut pas devancer une prière, on ne peut pas la prier avant son temps. Le Seigneur dans le Coran al-Karim dit « Inna salata kanat ala al-mu'minin kitab al-mawquta » La prière est prescrite aux croyants selon des délais déterminés. On ne peut pas faire avancer une prière. Après, à la sœur de s'organiser et de voir si elle a un moment de pause, par exemple, ou le frère, s'il a un moment de pause avant le lever du soleil, parce qu'il y a, comme vous le savez, il y a un délai entre le fajr et le lever du soleil pour pouvoir accomplir ça après le fajr. Voilà, je n'ai pas malheureusement de baguette magique ni de réponse standard ou type pour pouvoir résoudre ce problème, mais tout ce que je peux dire au frère ou à la sœur, c'est de faire tout son effort pour se mettre dans une situation qui soit quelque peu conforme à cette prescription liée à la prière. Il faut s'organiser et voir un peu en fonction de l'environnement où on se trouve. Wallahu a'lam. Est-il permis de prier Dhuhr et Asr en même temps? Car de nouveau, j'ai la possibilité à l'heure de Dhuhr de prier à mon travail. Après ce moment, cela devient compliqué.
Réunir deux prières comme dans l'Asar est une dérogation lorsqu'il y a nécessité ou besoin, mais cela ne doit pas devenir une règle. Il ne faut pas que le regroupement de ces deux prières devienne une règle, à savoir que le frère ou la sœur, tout le temps, il réunit dans l'Asar. Cela peut être de manière momentanée le temps de trouver une solution. Voilà ce qu'on peut, dire par rapport à cette question, inshallah ta'ala. Donc, l'iddarura ou l'haja, pour nécessité ou besoin, un genre de besoin pressant qui, quelque part, s'apparente à la nécessité, il sera possible de réunir dans l'Asar. Mais ça reste une solution tout à fait momentanée, le temps de trouver autre chose, inshallah. C'est dans ce sens que vont d'ailleurs de nombreuses fatwas émises par des savants contemporains sur la question, enfin anciens contemporains en réalité, sur la question de réunir la prière de Dhuhr et de l'As, ou encore de Maghrib l'Isha dans certaines situations. Dernière question, inshallah ta'ala. J'ai lu et entendu dire qu'il faut empêcher de passer devant le prieur. Mais dans les mosquées, les personnes passent quand même. On m'a dit aussi qu'à la Mecque, les gens passent devant les prieurs, que répondre aux gens dans ce cas-là? C'est une très bonne question qui renvoie à une sunna mahjoura aussi, une sunna fortement abandonnée par beaucoup de musulmans, et je trouve dommage que nos imams aussi, dans les mosquées, dans les sermons, dans les rappels, n'en parlent pas suffisamment. C'est la question de la sutra. La sutra, c'est ce qu'on met devant soi pour protéger notre espace de prière et créer un espace d'intimité entre nous et Dieu. J'ai aimé la démarche adoptée par une mosquée à Liège qui a acheté une série de bouts de bois. C'est très bien taillé, mashallah. On dirait comme une forme de minaret. Ils en ont acheté plein, ils les ont mis dans la mosquée, et ça permet aux fidèles de les mettre devant eux et de prier. Ainsi, les fidèles qui passent doivent passer derrière cet obstacle et pas entre le prieur et l'obstacle. Hélas, cette pratique n'est pas observée dans la plupart de nos mosquées, malheureusement. Alors vous avez ceux qui ne respectent même pas le principe de sutra. Je ne parle même pas de passer devant lui. Il y a ceux qui ne respectent, ou devant eux, il y a ceux qui ne respectent même pas le principe de sutra. C'est-à-dire que s'il vient prier une nafila, par exemple, je ne parle pas de la prière en commun, parce que dans la prière en commun, dans la prière en commun, l'imam, c'est lui notre sutra. L'imam est notre sutra. Donc ce qui signifie que si nous avons des rangs constitués et qu'un fidèle doit traverser l'autre côté du rang pour prendre place, il peut sans problème traverser le rang. Pourquoi? Parce que l'imam est devant, mais il ne peut pas passer devant l'imam. L'imam sera notre sutra. L'imam est la sutra des rangs qui le suivent derrière lui, d'accord? Pour continuer par rapport à la question de la sutra, on voit beaucoup ça dans nos mosquées. Lorsqu'il s'agit de prier la nafila, par exemple, que font les gens? Et c'est très embêtant et très dérangeant. Ils prient n'importe où. Et en priant n'importe où, non seulement il n'y a pas de sutra, et deuxièmement, il dérange les fidèles. Pourquoi? Parce que le fidèle qui veut sortir de la mosquée, il ne sait pas sortir. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Il n'a pas de chemin par lequel passer pour sortir de la mosquée. Et ça crée de l'attroupement, ça crée même des fois des tensions entre les gens. Avance, non, j'avance pas parce qu'il y a quelqu'un qui prie, non, on va avancer. Et ça crée des tensions. J'ai envie de dire à ses frères et ses sœurs, barakallahu fikoum, prenez un pilier d'une mosquée, prenez un petit coin, mettez un sac devant vous, mettez n'importe quoi pour marquer votre territoire de manière à ce que les gens passent devant l'obstacle et pas au travers votre espace de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne dans un hadith le caractère quelque peu sensible et gravissime de traverser l'espace de prière d'une personne. Je rappelle, j'entends bien quelqu'un qui traverse l'espace qui est sutra ou non. S'il traverse, bien sûr, au-delà de la sutra, il n'y a pas de problème. S'il traverse l'espace entre la sutra et le prieur, c'est déjà grave. Et s'il traverse un espace, l'espace du prieur, et que le prieur n'a pas mis de sutra, les deux sont fautifs. Le prieur est fautif
Et le fidèle qui passe et le passant est également fautif. Pourquoi ? Parce que le prieur n'a pas pris les précautions pour mettre une sutra devant lui. Le prophète, que dit-il par rapport à ça ? Il dit « Lo ya'lamul mar bayna yad al-musalli » Écoutez bien. « Mada alayh » Si le passant, celui qui traverse l'espace d'un prieur, s'il savait ce qu'il avait comme conséquence sur son geste, la waqafa arba'ina khayran lahu ma an yamurra bayna yaday. Il aurait attendu 40 et ça aurait été mieux pour lui que de passer devant un prieur. Le narrateur de ce hadith, Abu Nadr, dit, je ne sais pas si le prophète a dit 40 jours ou 40 mois ou 40 ans. C'est resté ainsi et ça laisse un champ interprétatif. 40, ça peut être 40 jours, ça peut être 40 mois, ça peut être 40 ans, mais quoi qu'il en soit, c'est gravissime. Le prophète dit 40. Mieux vaut rester 40 jours ou 40 mois ou 40 ans à attendre, disait le prophète sallam, que de traverser cet espace. Parce que lorsqu'on traverse cet espace, nous violons un espace sacré dont l'intimité appartient au prieur. Nous coupons sa prière. Ce qui ne signifie pas que sa prière est annulée, elle n'est pas annulée. Mais si ce fidèle n'a pas pris les précautions nécessaires, en mettant une sutra devant lui, il est clair qu'il est aussi fautif et que sa prière perd en valeur. Maintenant, si une personne met une sutra, donc ce fameux obstacle, pour empêcher quelqu'un de passer au travers, et que quelqu'un veut quand même passer, que faut-il faire ? Il faut l'arrêter. Soit en avançant un tout petit peu vers la sutra, ou en tendant son bras pour l'empêcher de passer. Et ça, il faut le faire. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à la question de la sutra. Et d'ailleurs, les savants se sont controversés sur un seul détail par rapport à la sutra. Est-elle obligatoire ou simplement fortement recommandée ? Mais l'un dans l'autre, la sutra doit être présente. Soit en mettant un objet, un sac, ou je sais quoi d'autre, ou en utilisant le dos d'un fidèle, ou alors en prenant le pilier d'une mosquée pour ne pas déranger qui que ce soit et pour être en toute intimité avec son créateur. Voilà ce qu'il en est par rapport à la sutra. Malheureusement, une sunna très très abandonnée par les musulmans dans de nombreuses contrées. Dernier point par rapport à cette question, la mosquée al-Haram, la mosquée de la Mecque. La mosquée de la Mecque est une exception à la règle. Pourquoi ? Parce que vu la mosquée, comme vous le savez, elle est circulaire. La mosquée donc est circulaire. Les portes de la mosquée se situent à tous les niveaux de celle-ci, donc aussi de manière circulaire. Les gens entrent dans toutes les directions pour se diriger vers la Kaaba. Il y a des gens qui font le tawaf aussi dans les couloirs. Ça peut arriver qu'ils traversent votre espace de prière. Vous ne saurez pas les empêcher. Mais ce qu'on peut faire, nous, dans la mesure du possible, c'est d'essayer, je ne parle pas des prières obligatoires, je parle surtout des nawafil, des prières surrogatoires. On doit essayer de trouver un endroit, par exemple un pilier de prière, un pilier de la mosquée, et en faire une sutra. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire si on y arrive. Et si on n'y arrive pas parce que la mosquée est remplie et qu'on prend l'endroit qu'on trouve sur notre chemin, dans ce cas-là, on ne peut pas empêcher les gens de passer. Parce que là, c'est une exception. Parce que comme je disais, il y a tawaf, il y a des gens qui vont vers la Kaaba. Les gens entrent par toutes les portes. Il y a un flux humain très important. Et il est difficile de faire autrement. Barakallahu fikoum à toutes et tous. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et au plaisir de vous revoir au prochain live, inshallah. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.